Là, voilà, bonjour YouTube, normalement c'est ok. Suite d'Apollo Justice du coup, on va faire la partie 2. On va enchaîner instantanément. Oui, charger à partir de l'épisode. Non, c'est ok. Et je me tais. Juin 9h12, cabinet d'avocat White & Co. Pour information, je n'ai toujours pas réglé ce petit truc là où on voit la souris, donc on verrait encore la souris pour cet épisode. J'espère que. Faudrait que je voie si j'ai un truc ou que je fasse à la manette, je ne sais pas. Bref, vous aurez une souris du coup, malheureusement. Une vérité, ça s'appelle comme ça, on s'en est plus. C'est marrant du coup. Donc c'est la fille de White, j'ai pas envie de spoil parce que je crois savoir un petit détail. En plus, du coup, j'ai rien dire. Mais j'ai un petit souvenir de quelque chose sur cette fille. Oh, la médaillon. Alors, ça y est, ça commence le plomb où on va devoir examiner plein de trucs. Examiner décor avec une magnifique spaghetti volant. Chapeau.
côté. Ah non. Il y a quand même une coupe. Ah non, il s'en fout. Là on a portrait. Bon, y a rien d'intéressant dans tous les cas, il faut lui parler. Ah, donc c'était White qui avait ouvert ça, très bien. Justice, vérité. Oui, on nous parle de quelque chose qui est passé il y a 7 ans, on ne sait pas trop quoi. Donc, un peu le mystère. Il va tourner autour de ce bus, je crois. Et à l'hôpital ? Chambouze. Vraiment. Toujours plus les noms. Bizarrement, ça existerait bien ce genre d'hôpital, ce nom d'hôpital. Ah oui, là bah il est bien équipé le Phoenix, hein, c'est bon. Il y a de quoi faire, hein, en termes de DVD. Oh, quel enfer c'est qui lui déjà. Docteur Chambouzeux, ouais super. Glock ce docteur hein. Alors jamais je laisse le docteur faire quelque chose en fait. Jamais. Ça va, il a l'air d'aller bien. Alors, on va examiner vite fait hein. Bon, un petit fleur, un petit écran et tout hein. Petit écran cathodique. Petite bouteille de raisin aussi. Ça mourait mon cœur, tu vois. Ce qui est cool dans Apollo, c'est que les. Enfin. Les musiques sont très différentes du coup des trois opus d'avant, du coup. On a pas mal de nouvelles musiques, de nouvelles OST. Ça, c'est cool. Des rapports. Des longues histoires. D'accord.
Nightbot qui t'a ban. T'as été ban, t'as trop spam. Faut arrêter de spam, mon cher Ronman. Putain, c'est vrai que le bot des fois. Ouais, là, c'est le caps. Coucou, ça va? Ça va bien. Et quoi, il y a un sac là. Aucun indice par ici. Petit DVD, petit piano. Oh, la mini piano. Pas de jus de raisin, c'est interdit. Ah ben, je viens de commencer. Honnêtement, je viens de commencer. J'ai commencé il y a 10 minutes. On a vu que dalle. Honnêtement, on sait même pas ce qui se passe vraiment. Tu vois, pour te dire. Là, je te résume en gros. On est allé voir du coup le cabinet d'avocat White & Co, bien sûr. Et en se rendant là-bas, on a trouvé sa fille, qui s'appelle du coup Vérité. Vérité White, et on a appris que son papa, donc Phoenix, est du coup à l'hôpital. Du coup là on est parti à l'hôpital le rejoindre. Sachant qu'on a appris que du coup Vérité a 15 ans, et elle a été recueillie à 7 ans par Phoenix. Enfin il parle d'eux il y a 7 ans, quoi. Donc on sait pas trop pourquoi du coup, bon, mais voilà. Et du coup Phoenix a 33 ans, ça a été dit. J'ai intermédié les étiquettes. Il tient son jus de raisin. Ouais, je pense que c'est pas du jus de raisin. Ouais, la fameuse affaire. On va discuter, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, bah tiens, c'est passé. Qui l'eût cru? Victime d'un accident avec délai de fuite. Ah bon? Il a failli me bombarder pour essayer de m'éviter, je dois le reconnaître. J'ai fait un vol plein de prix de 10 mètres. Ah, mais t'es gâté, je t'ai enregistré toute la VOD enregistrée, donc ouais, pas de soucis. T'auras la VOD ce soir dans tous les cas. Je vais pas pouvoir faire de jouer longtemps aujourd'hui, donc je vais essayer de faire 2 heures maximum, et puis j'enregistre et hop, je mets tout sur YouTube direct. Ah, du coup pour YouTube vous l'avez déjà là. Coucou. Marrant, ça. À propos de vérité. Donc là en fait on est dans l'hôpital qui s'appelle Chambouzeux. Voilà, hôpital Chambouzeux, nom extraordinaire. Ah voilà, j'ai du mal à croire que vous puissiez avoir une fille. Les magiciennes, elle me l'a dit. Ouais, j'ai vu ça qu'Antoine Daniel est en train de faire Phoenix aussi, ça m'a fait rire. J'ai vu ça, j'étais là, ah, putain. Ou quoi. Et c'est très drôle parce que lui, il a une Go XLR. Ça aurait été magnifique que j'ai une Go XLR. Je t'avoue que si j'avais eu une Go XLR et qu'il y aurait eu un bon micro, j'aurais fait la même merde. Hein. Avec les voix débiles, mais il fait plein de voix débiles avec la Go XLR, c'est très drôle. Moi je doute pas, je préfère d'être tranquille, faire mon truc tranquille. Là où il y a le scénar tranquillement quoi, bien. Agence artistique White.
Yes, bon live, merci. Bonne journée à toi, mon cher. Une PME. Ça nous chute, l'autre se ramasse aussi. J'ai chocolat. Le client. C'est qui le client? Ah oui, évidemment. Jetez un coup d'œil à la carte. Je vous explique. Qu'est-ce que c'est? Alors, hier soir, j'ai quitté le bureau vers 9h. Ok, très bien, pas de soucis là-dessus. J'allais chez Pataldante, le fameux resto italien. J'y joue du piano. Et là-bas. La voiture. Un dingue m'a heurté et m'a propulsé contre un poteau téléphonique. Avant de filer, flippant non. Pour être flippant, c'est flippant. J'avoue qu'il a l'air de bien aller, hein. Il est en forme. La voiture a filé par là. Alors bonne chance, c'est tout. Ah putain, c'est encore lui. D'accord. Où est le mec qui m'a fait manger le poteau? Et alors, à vous de vous prouver cette culpabilité devant un juge. Pas procureur non plus, ouais. C'est pour rire. Je vais enquêter aussi sur mon accident pendant que vous y êtes. Notez le lieu des faits sur cette carte. Et oui, parce que ça, c'est bien sûr, ça va être lié. Hein. On est quasiment sûr que ça va être lié. Oui. Alors, le plan a été ajouté au dossier. Magnifique. Se déplacer. On va retourner à l'agence artistique. 15 juin 10h05, agence artistique White. Bonjour. C'est. Un petit peu gabossé. Ça, c'est le fameux polo, non? Il a été volé. Qu'est-ce que c'est que conneries? Entre quelqu'un qui se fait percuter, là on a quelqu'un qui a un stand d'anouilles qui a été volé, ça commence à faire beaucoup. Monsieur Eldoun, marchand de nouilles. Alors, je ne le connais pas, bien sûr. Vraiment. Meilleure nouille du coin, les Eldoun Noodles. Mais nous de qui? Mais nous. Monsieur Guy Eldoun, notre client. S'il vous plaît, expliquez votre problème, monsieur Eldoun. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je crois que tu t'es fait voler ton stand. Qui
propriétaire d'un stand à nous, il me suit. Bah oui, bien sûr. Il a dit. Apollo, un peu. Un peu de réflexion quand même. Ah, le secret, c'est le bouillon. Ah donc il a commencé son stand l'année dernière, Eldon Noodles, marchand de nouilles depuis 15 générations. C'était pas beau ça. Extrêmement salé, plus salé que le sel. C'est fou que ça a l'air appétissant. À l'époque où il était avocat, il fréquentait aussi le stand de mon père. Il venait avec son assistante. Ah oui! Bah, du coup, oui. Un chouré, tiens. On stand envolé. Bon, du coup. Où est-ce qu'on lui a volé? C'est la question. Un soir, je faisais ma tournée sur le... Sur un petit air d'harmonica, très bien. Fermé le stand pour la nuit, puis je l'ai laissé près de la maison. Ce matin, quand je me suis levé au chant du coq... Ah, c'était ça le mec à l'harmonica. Du coup. Donc, un mec s'est fait. Donc, Phoenix s'est fait percuter et instant volé. Est-ce que ça nous aide? On sait pas vraiment. Vous savez toute l'affaire. Bonne chasse. L'agence maison d'Eldoun. Ok. Bon, on va y aller, hein. J'ai perdu un truc hier soir. Enfin, on m'a volé quelque chose. On va voler ma culotte. D'accord. Un accident, un stand volé et une culotte volée. Alors là, c'est. Ça commence bien cette affaire. Ouais, ok, très bien.
Hier, on était au chômage et là, on a trois affaires. En soi, on n'a pas vraiment. Une fois que l'accident avec des fuites, papa, il faut qu'on trouve qui l'a renversé. Rappelle-moi qui va nous rémunérer pour ce travail. Deuxièmement, le cas de Monsieur Eldoun retrouver son stand volé, pour lequel nous aurons droit à un bol de nouilles bien salées. Et trois mon problème à moi, ma culotte volée. Marrant, ce bol de nouilles me fait bien de plus en plus envie. Parler un peu quand même, non, examiner c'est tout. Bon, on y va. Hein. On commence par où? Scène de l'accident, scène de l'accident. La peinture 15 juin. Si on en croit la carte, on y est. Très bien. Une dame là qui a l'air gentille. Parc communal. Ouais. Pousse, je me mets à transpirer un peu. Domaine qui t'a qui? Et le gamin avec les cheveux en pétard, il veut quelque chose? Rien du tout. Miki Taki, c'est la plus grande syndicat du crime organisé de toute la ville. Homme du greffe chef de la famille. Petit ange. Je suis le petit Apollo de justice, avocat. Ok. J'aimerais examiner mais d'abord en discuter, je pense. Et qui t'a qui? Pour éviter de parler business, s'il vous plaît. Cousin d'hier soir, est-ce qu'elle a un lundi? Il y a eu un accident de voiture si hier soir. Attendez. Vous pouvez parler de cet homme, n'est-ce pas? Celui qui a fait un vol plané de 10 mètres et s'est relevé sans une égratignure. J'aurais dû m'en douter. C'est moi qui répare tout ça maintenant. Je suis en train de nettoyer ce bazar depuis ce matin. Urk. Cette peinture. Parce qu'on a lancé ces pots de peinture au moment de l'accident. Vers 9h hier soir, j'ai entendu comme un carambolage. J'ai retrouvé mon père qui pataugeait dans la mare de peinture. Ah non, là tu dois à mon mari, le boss. La voiture a heurté ton père avant de venir chambouler les pots de peinture.
et a tourné au coin de la rue et a disparu en tronche. Et on est en train de repeindre notre mur, voyez-vous. C'est bien un gangster. Il doit avoir des sbires pour faire le sale boulot, non? Une certaine image nous colle à la peau. Nous avons le sens de la communauté, voyez-vous. Le boss semble contribuer au bien-être collectif. Comme c'est généreux de sa part. Profiter des installations publiques pour me débarrasser des déchets. Et maintenant, je n'ai plus qu'à débarrasser la rue des traces de peinture. Attention publique. C'est vrai qu'il y a la police juste à côté et un mec qui est en train de se faire choper là. Bref. Bon bah. On va examiner hein. La peinture. La voiture qui a heurté papa a peut-être aussi renversé de la peinture. On me laisse ramasser les pots de presse. On va voir le logo vite fait. Le renard, il est trop mignon. Rosé comme des renards et aussi les dents insérées. Les ailes de justice. Okay. Va me déplacer. Ah si, il y a un truc là. T'es mute, pourquoi? Coucou, je suis revenu. Ouais, du coup. Ah, y'a eu quelque chose de drôle, mais. Y'a eu quelque chose de drôle. Ok, très bien. Du coup, on a croisé qui? Comment elle s'appelle? Discuter. On a vu jeune femme, mais on peut pas qu'il faut discuter. On a lui qui se fait embarquer. Ah, on a un officier qui nous fait chier. On va être en train de tourner un film. Sky. Oh putain, c'est elle! Ah, je me souvenais plus qu'il y avait elle.
mal placé pour faire des réflexions sur la façon de s'habiller. Alors, est-ce que c'est dans le premier opus qu'on la voit? Je crois bien que oui. C'est même dans l'épisode spécial, non? Ou c'est dans le deuxième épisode? Allez, jeune joueur, allez, joyeur. Quoi? Hydroxyacélunotétrace. Nice. Vraiment que je lui demande, hein? Ah non, j'ai fait examiner. Ouais, j'ai examiné. Retour. Discuter. Parc communal. Ouais, son et lumière, comme dirait le boss. Même partout dans le parc, hein, sur le porche, même chez nous. Un crime sans honneur. Sans... Ah, il y a eu un meurtre. Affaire privée. On peut voir ça. Quoi? Bon, du coup, ça c'est Asli. C'est bien. Ah, bonjour, mère. Ah, oui, d'accord. J'ai l'impression de tout faire, monsieur White. Notre avocat, monsieur Apollo Justice. Au revoir. C'est bien. C'est bizarre, mais au revoir. Bon bah, on va se déplacer, hein. Du vol du stand. Encore. Clinique mer. C'est quoi? Merak. Enseigne. Ah ben voilà, ils le disent. Vic Miractis. Alors fiston. On a Eldoun qui est là.
Tu traînes plus tes nouilles, elles seront sales, j'oublie pas. J'aimerais examiner d'abord. Si ça gêne pas, le monsieur. Y'a un chien. C'est ramène au fait. Une femelle. Pas très active, ramène. Mange des nouilles, les chiens. Le bol. C'est le secret d'Eldo Noodles. On a récupéré un bol, très bien. La main juste ici, ne vous léquez pas à la lumière. On va lui parler. Hein. Eldon Noodles. Temps de voler. Jouer un petit air au passant, comme d'hab, quoi, pour attirer les chalots. Mais quoi? Ça sentait la soupe dans toute la rue. Rentrer, je dirais, juste avant 22h. Ok. J'avais mes bols et j'ai graissé les roues du stand, puis je suis rentré. L'aube ce matin avant de lever. Avant le lever du soleil, le business démarre de bonne heure. C'est là celui qui m'a volé ma culotte est rentré par là-dedans. Tel chien. Par contre, si vous avez pas remarqué, genre la. Son chapeau, ça fait un bol. Et ses cheveux, ça fait des nouilles. Voilà. Ça, c'est le genre de design que j'adore. C'est complètement con, mais c'est bien pensé. Ça me fume. Ils sont trop forts pour les designs, les persos. On va rentrer hein. Examiner. Peut-être qu'ils ont essayé de truander le fisc. Non, circuler, rien à voir. Encore une intoxication alimentaire à cause de leur cantine pourrie.
Quelqu'un risque de bien de refiler une intoxication alimentaire. Voiture de police est là depuis ce matin. Bon, j'ai demandé ce qu'elle faisait là, mais les voisins n'ont pas désigné répondre. Pas que ça me surprenne, ce toubib a de mauvaises fréquentations. Si vous voulez mon avis, ça lui pendait au nez. Ok, mauvaise fréquentation. Ah, vous occupez pas de ça. On peut rentrer? On peut rentrer. 15 juin, garage de la clinique. Peut-être, il faut qu'on cherche des indices. Bah yes. Quoi? Téléphone? Un téléphone? Téléphone portable. Quelqu'un l'a fait tomber devant cette roue. La voiture avait bougé, elle a dû le portable. Je pense qu'il appartient au médecin de la clinique. Il faudrait qu'on lui rapporte plus tard. Ouais. Bon, déjà on a ça. Il y a un chat. Ok là. Ah, ce n'est qu'un squelette couleur dorée. C'est une fausse main qui nous fait coucou de derrière ce squelette. J'ai l'endroit que je cache quelque chose. Le chat. Minou, le chat vient. Oh, bien sûr, le chat. Pas l'air de descendre. Il a l'air comme ça avec ses cheveux, mais il est gentil. Pas trop chercher par la voiture, hein, examiner quelque chose qui cloche avec cette voiture. Ah, ça me rappelle le compte rendu d'une affaire sur laquelle monsieur White a travaillé il y a longtemps. Il avait trouvé une voiture avec un bout de tissu coincé dans le pot d'échappement. Il se trouve que ce morceau de tissu était un indice essentiel à l'enquête. Chaque fois que j'examine une voiture, je repense à ce dossier et je vérifie toujours le pot d'échappement. Ça m'amuse comment on peut. Drôle si. Ah voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un génie incroyable! Et voilà. Piote magique. Wonderbar, j'ai un succès fou, je me produis là-bas tous les soirs. Bon, du coup on la récupère. Piote de vérité. J'ai rangé cette affaire. J'avoue que pourquoi il a volé ça et pourquoi c'est ici. Oh, c'est bizarre quand même. On n'a pas fini avec ce garage. C'est moi ou il y a... Y a pas de rétro. Ah, il y a pas de rétro, hein. Ouais, d'accord. Le rétroviseur a été arraché. Indice, jetons un oeil. Bah... Ah non, je pensais que j'avais un truc concernant la voiture. Le plan.
Bref. Là, j'en sais rien, mais c'est la voiture qui a dû percuter notre cher. Notre cher Phoenix. Où est-ce que je pourrais aller? Retourner dans la Land White? Ouais, on va aller voir la clinique vite fait. Hein? Tu vois, il était parti. Peut-être qu'on lui a fait des examens. Non, il va sûrement pas tarder. On a pour un moment. Ce ne sont pas tes oignons. Ouais, comment mieux. Ok, donc c'est pas ici. C'est pas ici. On va retourner au domaine. Problème, c'est qu'il y a la police. Beaucoup de loups là. Ce sont des pantoufles. Ah ben voilà. J'ai bien fait d'y penser, à fouiller un peu. Il a arraché le rétroviseur de la voiture. Il est fort, papa. Alors moi, je n'ai pas assez de place dans ma poche pour tout prendre. Quelle veux-tu apporter? Pantoufle ou rétroviseur? Rétroviseur. À nous servir. Ah, la police nous dit rien. Ils s'en foutent un peu. On l'a piqué une preuve, mais ils s'en foutent. Domaine Kitaki, clinique Mercatis. Et donc là, je regarde la voiture et je lui montre la preuve du rétro qui correspond à cette voiture. Examiner. Jetons un œil. Oh, la musique. Oh, c'est la même couleur, la même taille et tout, exactement pareil. Je pense qu'on pourrait y jeter un œil. Ah oui. T'as même plus une voiture de couleur verte comme ça, si tu t'en souviens, hein. Parce que franchement, c'est pas souvent qu'on est... on a des voitures de cette couleur. Vert pomme. Voiture qui a renversé Monsieur White hier soir. Bravo. On retourne voir papa. Il va râler si on laisse tout seul trop longtemps. Je connais. Là, on retourne. Ok. Se déplacer. C'est bon, là, il est content. On est bon. Yo, ça baigne. Allez. Le retour. Papa a besoin de repos. Je croyais qu'il n'avait que 33 ans. Voilà ce que vous avez trouvé. En tout cas, ça me fait plaisir à voir. Bah on a trouvé des choses, oui. Génial, le polo, il a retrouvé ma culotte et en deux temps, en mouvement. On pourrait penser que c'était lui le voleur.
C'est une drôle de manière de faire des éloges à quelqu'un. Et j'ai trouvé le pilote qui m'a fait faire un vol planète de 10 mètres. Il semblerait que c'était un médecin de la clinique Mercatis. Meracti... Ah, c'est pas Mercatis, c'est Meractis. Alors, ça me dit quelque chose, mais rien de bien positif. Qui me rappelle qu'il y avait une voiture de police garée devant la clinique. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Puis qu'est-ce que c'est que cette clinique Mercatis? Meractis. On va y arriver, on va y arriver. Pour lancer, c'est les rumeurs. On dit que la clinique fait un bon chiffre d'affaires d'une mauvaise manière. On l'a dit, lié à la pègre, à la famille Kentucky. Vous voulez parler de la famille Kitaki? C'est fait exprès. Certaines blessures se traitent dans des cliniques très privées. La clinique Meractis charge de rafistoler les hommes de main de la famille. Intéressant. Voilà. Et qu'il s'est passé quelque chose dans le Spark. On y a retrouvé un corps dans des circonstances un peu ordinaires. C'est déjà un peu ordinaire d'être retrouvé mort. De toute façon, ça ne regarde pas. C'est vrai, alors on oublie. On se concentre sur notre sortante de nouilles. Et la curiosité professionnelle alors. Ah, merci sincèrement. Si j'avais envie de me dégourdir les jambes, j'irais peut-être voir cette clinique Meractis. Chercher des dommages et intérêts, une petite joute juridique me ferait du bien. Je me demande quand je serai payé. Nous avons résolu le mystère de votre accident et retrouvé un vêtement égaré. Ah, ma culotte, ah oui bien sûr. Il ne reste plus qu'à résoudre le mystère du stand de Louis. J'avoue que le stand on sait pas où il est. Je vais vous aider si toutefois vous ne me demandez pas d'argent. Bon, les mêmes qui se font avoir. Tourne le bureau. Bah vas-y hein. juin, agence à tout faire white. Ah tiens, comme quoi. Ah. Ici le client est toujours roi. Par ici vous. Non. Alita Tiala. J'ai une requête. Discuter. Une requête. On vous a volé un truc. Votre prospectus. T'as dit service juridique. Alors je pensais. D'accord. On vous a volé votre stand à nouilles. Ce n'est pas moi le client. Le client, c'est bien fiancé en fait. Qu'est-ce qui est arrivé à votre fiancé? Il s'est fait arrêter pour meurtre. Ah, ça y est, ça devient intéressant. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé dans le parc. Non, pas encore. Marie, le mois prochain, j'épouse le fils du boss. Les Kiteki sont des gens respectueux de la population locale. Ah oui, de changement, marre de mon boulot alors. Femme de camp, c'est clair. C'est pas une mauvaise idée ça. Meurtre dans le parc. On n'a pas donné les détails. C'est juste qu'on a retrouvé un corps dans un parc près du domaine Kitaki. Il y a plein de voitures de police là-bas. Apparemment, on a tué la victime avec un revolver. On m'a dit que les circonstances du meurtre étaient inhabituelles. Et votre fiancé a été arrêté soupçonné du crime. Bizarre du coup. Oh. Attendez, je remets le. Ah voilà. Votre fiancé. C'est qui? On a toujours pas l'info.
On sait que c'est le fils, bien sûr, mais on sait pas qui c'est. On n'a pas le nom. Enfin, le prénom. Il s'appelle Willy. Willy Kitaki. J'ai amené une photo. What the fuck, vraiment? C'est une sacrée photo que vous avez là. Un peu les lieux du crime. Bon, on va le voir. Hein. Centre de détention parloir. Polo, tu ressembles à une puce qui a trouvé un chien. C'est le paradis des avocats ici. C'est là que la bataille commence. Pour l'instant, la police l'interroge, ça risque de durer un bon moment. Voilà, alors, le début de la bataille est remporté. On retourne au parc. Si on a une. Si on a une lettre, on peut. Et une moto, c'est qui? Benkitaki. Moi, j'y suis. Première scène du crime. Encore vous les mômes? Allez, jouez ailleurs. Je te joue pas. On fait une enquête. Tiens, tiens, tiens. C'est qui ce type? J'avoue avoir l'habitude de me faire fixer par les femmes. Mais c'est la première fois que je me fais tant d'effet à un homme. Gavin. Et oui, bien sûr. Policier en uniforme refuse de nous laisser entrer. Pourtant, on a même une lettre rogatoire. J'avais un polo qui est laissé en plan, le pauvre. Un polo. Parc communal. C'est bonne enquête. Juste un mannequin. Ouf, j'ai eu peur. Un sanglant en vous. Vous avez réussi à rentrer. Ce type qui ressemble à la presse, il nous a laissé rentrer. Par lui. Petit béné ou pailleté, toujours dans mes pattes. De toute façon, c'est un endroit cet endroit est interdit au public. Une seconde. Vous reconnaîtrez cette écriture entre mille. Une analyse scientifique en conclut que cette lettre a été écrite par Alita Tiala. Vous avez fallu 30 minutes pour vous en apercevoir. Quoi sert ce mannequin là-bas? Il remplace le corps et ainsi là. Ainsi préserve l'intégralité de la scène du crime. Et en effet, on a notre stand. Le stand est là. Le stand est présent. Je vais retirer le stand. Emma Sky, je suis chargé de la scène de crime. Ça a pas l'air d'être l'enchanté, on dirait. Il y a plein de trucs qui n'ont pas l'air de l'enchanter. Vous n'allez pas me gêner. Sachez que j'ai toujours deux paires de monotes sur moi au cas où. Dépouille la pire.
petit ASMR. Je commence pas des masses. Ça fait 9 ans d'absence. Il refuse de me donner le poste que je veux à mon retour. Ensuite, j'apprends qu'il a tourné le dos à sa carrière d'avocat. Silence, s'il vous plaît. C'est l'heure de manger. Ta mère. Ok. Elle voudra pas parler. Attendez. On peut lui présenter? On peut pas. Je suis avocat. Bonsoir. Rendez ce badge. Elle en a rien à foutre. Rien à faire. Non, ça lui appartient pas. Merde. Je suis dit ne pas remarquer. Ça là, le stand. Mais laissez-moi regarder. Ah merci. Même si ça aurait pu faire dans de meilleures circonstances. Bon, on a trouvé le stand. Et elle, elle veut pas parler, hein. Tire. Attendez. Est-ce que j'ai le droit? Ah, là, elle est chiante. Ça tue. Je vais aller voir vite fait Eldoun. Peut-être lui dire que son stand a été retrouvé quoi. Et il est pas là. C'est pour ça qu'il est parti. Donc il va retrouver son stand et tout. C'est notre bol gratuit alors. Quel dommage. C'est pas drôle. Bah oui, non mais. Elle y était cette bâche ou je suis complètement fou? Mais devait y être, je l'ai pas vu. Je vais quand même regarder. Non, ok, elle y était déjà. Rien de bien nouveau. On va retourner vers. On va aller au centre de détention, non? Toujours rien. Comment je peux prouver quelque chose? Il faut un indice pour Ah, voilà le retour. Des problèmes? Oui, moi, non. Ah, tout va bien. C'est sûr. T'as raison, quelque chose ne va pas. Ah non, aucun problème. Il se trouve qu'on a reçu une demande de défense. Une demande de défense? Ah, ça, c'est un problème. Au final, c'est fini pour moi. Je ne suis plus avocat. Ah, c'est vrai. Vous aussi, vous êtes avocat. Putain. Étouffe, super. Pardon. Ah, putain.
C'est bon. Ouais. Le meurtre. Cette demande de défense, dites-moi d'où. C'est lié au meurtre qui a eu lieu dans le parc communal. Ouais, une découverte pour le moins insolite en effet. J'avais jamais vu un stand à nouilles servir d'arme de crime. La tankikineuse d'inspectrice ne veut pas de nous laisser entrer. Ah. D'accord, donc c'était ça. Moi, je n'aurais jamais cru qu'elle était sur ce coup. Vous la connaissez? On peut dire ça comme ça. Non, vous la connaissez pas, oui. On a travaillé sur la même affaire il y a une dizaine d'années. Elle était encore au lycée à l'époque. Ce qui lui ferait à peu près mon âge. Et on va pas ça. Il connaît tout le monde dans la police. Oh, attends. Peut-être que tu connais l'autre type aussi. Le prince resplendissant sur sa moto. Prince. Apollo, parlez-moi du prince de vérité. Rassurez-moi. Un père qui s'inquiète. C'est sur les lieux du crime, il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Monsieur Gavin. Vous dites? Vous le connaissez? C'est sans doute le frère cadet de Christophe Gavin. Mon frère, on se connaît en quelque sorte. Conrad Gavin, le dieu du rock'n'roll. Conrad, quel joli nom. C'est un mirage tellement qu'il est beau. Je ne savais absolument pas que Monsieur Gavin avait un frère. Qu'est-ce qu'il venait faire là-bas? La vie, vous allez vous revoir. J'en mettrai ma main à couper. Bon, dites-moi quel est le problème. Vous avez du mal à enquêter sur la scène du crime dans le parc. Il y a une inspectrice de police qui nous empêche de travailler. Allez, au bureau. Cherchez le flacon de poudre blanche dans le haut de forme. Portez-le à l'inspectrice. J'espère que ce n'est pas ce que je crois. Portez-lui, tout se passera bien. Ouais. Oh, et donnez-lui le bonjour de ma part. Eh bien... allons voir. Oui. Souviens petite, j'en ai trouvé dans la commode de papa. Je croyais que c'était du sucre et j'en avais léché un peu. Il était furieux. Poudre blanche, j'avoue que c'est pas du tout suspect. Allez, fixe musique. C'est très cool la musique en effet. D'accord. Par contre, je sais même pas, on peut plus sauvegarder. Je pensais qu'on pouvait sauvegarder. Non, on peut pas. Centre de détention. Domaine. Solidite. Communal. Présenter. Est-ce que ça quelque chose? Où est-ce que vous avez trouvé ça? J'ai ramené du bureau. Travaillez pour le cabinet d'avocat White & Co. Ouais, en quelque sorte. Inspecteur Sky, comment vous connaissez mon papa? Qui êtes-vous déjà? Vérité White, la fille de ma Phoenix Wright. Monsieur White a une fille? Vous semblez secoué, dites donc. Eh bien, si vous êtes la fille de Monsieur White et vous son apprenti, vous pouvez compter sur moi pour vous porter toute l'aide possible. Merci. Pour commencer, ne m'appelez pas l'apprenti. Poudre sert à détecter les empreintes digitales.
pourrait appeler ça un souvenir, tant que j'ai passé avec Monsieur White. Des souvenirs en poudre. Si vous trouvez des empreintes sur des pièces à conviction, prévenez-moi. On les poudrera. Ça trouve bien zélé tout d'un coup. Okay. Bon bah, on peut inquiéter du coup, on peut discuter aussi. Du coup, ça y est. L'affaire. Le rapport nous est parvenu tard hier soir. On a trouvé le corps, comme vous le voyez là. Sauf que c'était la victime elle-même, bien sûr. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un mort tirait un stand d'anouille? Si je connaissais la réponse à cette question, je ne serais plus ici. Dans ce cas, pouvez-vous nous dire la cause de sa mort? Voilà, je... Blessure par balle à la trempe. Ah, tempe. Ah oui. Pas facile à trouver de nos jours. On va être policier ou gangster. En fait, la victime s'appelait Paul Merartis. Ah. Je viens tout juste de recevoir le rapport d'autopsie en fait. Non mais franchement, cette affaire est complète et incompréhensible. On va partir en courant loin de ce mystérieux stand. Pas si mystérieux que ça en fait. On devrait lui dire, Apollo. Après tout, nous savons d'où vient ce stand. Donc nous savons vraiment d'où vient ce stand. Le directeur du stand s'appelle... Guy L12. Et qui c'est qui le vieux? C'est le propriétaire de Eldon Noodles, monsieur Guy Eldon en personne. Très connu par ici. Pas mal, on dirait que White a choisi des mobs compétents. Vous m'épargnez pas mal de boulot, merci. Qu'est-ce qu'on sait sur la victime? Donc il était médecin. On commence à discerner une espèce de lien. Pour de vous. Et moi, je suis chargé de surveiller la scène du crime, c'est tout. Inspecteur Sky. J'étais à l'étranger quelques temps, je suis revenu intégrer la police scientifique. Étudié à l'étranger, en Angleterre. J'ai fait des études de police scientifique en vue de former une unité spéciale d'analyse. Et une fois de retour ici, ils m'ont collé aux affaires criminelles. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas formé votre unité là-bas? Eh bien, j'aurais pu, je suppose, mais... J'avais des faveurs à rendre à des gens ici. Vous voyez qu'elle était adolescente quand elle est partie. Enfin, pourquoi vous me regardez comme ça? J'avais eu des problèmes juste avant de partir. Mais Monsieur White et son équipe m'ont aidé. Pardon beaucoup. Vraiment, je ne savais pas. Elle a passé quelques temps à l'étranger. Elle est sans doute pas au courant des affaires de Monsieur White. Vous pourriez nous parler un peu de l'accusé. C'est le fils unique de la famille Kitaki, c'est ça? Willy Kitaki. Je ne sais pas si c'est le fils du boss, mais il cause un sacré fracas. Au centre des détentions, et dans tous les sens du terme. Toujours. Pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté en premier lieu? Vous êtes avocat, n'est-ce pas? Vous ne seriez pas le sien par hasard? C'est marrant que vous me le demandiez parce que si, en fait. Eh bien, nous avons un témoin qui a assisté au meurtre. Et le témoin a contacté la police et il sera appelé à témoigner au procès de demain. Ok. C'est qui? Vous pourriez nous en dire un peu plus sur la victime? Voyons. Apparemment, il travaillait comme médecin dans une clinique dans des environs. Il semblait à l'aise financièrement. À ce qu'il paraît, la clinique s'appelle la clinique Merakis. Ah. Peut-être pour ça que la voiture de police était garée là-bas. Oh, vous êtes là-bas, la clinique? Ouais. Pour une raison liée à cette affaire. J'ai raconté à l'inspecteur l'affaire du stand à nous, voulez. Je vois. Alors cela voudrait dire que le docteur Merakis aurait volé le stand à nous et l'aurait poussé jusqu'ici. On dirait en effet que c'est ce qui s'est passé. Mais pourquoi? Non, j'en ai pas la moindre idée.
Ok. On peut examiner du coup. Laissez-moi examiner. Oh, je vous annonce que je pense qu'on aura que la phase d'enquête pour cet épisode parce que là elle est giga longue. La phase d'enquête. Mannequin qui fait office de cadavre. L'heure de la victime a déjà été emmenée. À ton avis, la victime, c'est le voleur du stand? Je pense qu'on l'a tué parce qu'il avait volé un stand. Ouais, règlement de compte. De toute façon, petit ange qui t'acquitte. D'accord. Voilà, pala, pila, polo. Va bien y avoir un ou deux bons indices à relever ici. Mais des poubelles, allez, amuse-toi bien. Un peu de respect, je te prie. Je vois bien que je suis en train de. Putain. Toujours plus. Oh la culotte. Allez, de dire ça une petite seconde. Est-ce que ce serait pas. Ah, c'est pas la mienne. J'en fais une autre. Ok. Évidence, ça c'est le stand d'Eldoun. Oui, l'enseigne Eldoun n'est pas discrète. Hein. Et puis cette marque sur la lanterne en papier me dit quelque chose. Ça ne va pas être un simple. Ça ne va pas être simple de lui annoncer la nouvelle avec les morts. Il en soit, ça fait donc trois de nos affaires de résolu. C'est vrai, bien joué, Apollo. Bien pire que les trois autres réunis. Elle meurt. Bon, bah, je pense qu'on va aller voir notre client. C'est, je pense, la meilleure solution. Agence. Il devrait être là quand même. Putain, il est toujours. Bon bah on va aller voir Eldoun. Il est toujours pas là. Et dans la clinique, il y a quelque chose d'intéressant ou. Ok bah j'ai loupé quelque chose. Je retourne vers vers la scène du crime, j'ai loupé quelque chose. À moins que je vais voir Phoenix. Non. Examiner, se déplacer. Il m'avait dit qu'on pouvait voir des indices avec Ah mais je suis con, j'ai même pas vu ça. Et un couteau. Un surin, comme certains l'appelleraient. Oh, tactique. L'accusé est Willy Kitaki, est le fils d'un gangster connu. La police pense que ce couteau lui appartient. Une seconde, je croyais que l'arme du crime était un pistolet. Regardez, il y a une trace de main dessus. Une trace de main. On la lâche, on a des chances d'y trouver des empreintes digitales. On va approfondir cette piste. Bon, d'abord il faut choisir l'empreinte digitale que vous voulez examiner. Vas-y, une empreinte digitale. Regardez. Pour la main en champ. Ah oui, en effet, on peut tout voir. Ah, vous voyez, il n'y a pas de l'empreinte. Tâche noire. Ça, choisissez celle que vous voulez faire analyser. Celle-là, la plus grande. Bon boulot. Voilà, oh, rayonne d'excitation. Tout d'abord, saupoudrez l'empreinte de poudre d'aluminium. Touchez l'écran, comme ceci, vous voyez. Ensuite, laissez
L'huile laissée par l'empreinte absorbe la poudre d'aluminium alors saupoudrée. Et vous soufflez. On souffle. On siffle. Vous savez comment siffler. Ah génial, c'est comme la magie. J'ai peur d'un truc. Je peux pas. Attendez. C'est le moment un peu gênant du... Ah mais oui, mais c'est qu'il y avait un micro dans la DS. Est-ce que je peux l'activer? Je pense que oui quand même, attendez. Je savais pas que j'avais besoin du micro. Filtre d'intention. Merde. Pause, se taire, sauvegarde, enregistrer, redémarrer, visualiser. Filtre d'animation. Non, je suis bloqué. Je suis bloqué, quelle merde. En plus je trouve qu'il est vraiment pas dingue l'émulateur en termes de. Oh, c'est pas clair. Qualité. Taille de la fenêtre. Attention. Attention, configuration. Si. Mais je peux pas juste utiliser le micro. Si je fais ça fonctionne. Souffle. Souffle. Les modes nécessitent l'utilisation du raccourci du micro. Là j'ai l'air con. Hein. Je l'annonce. Hein. On vous en bat. Là je vous casse les oreilles. À part vous casser les oreilles, je fais rien de plus. À moins que. Donc je poudre. Ah vous avez jamais vu une poudre aussi bien faite. Je crois que j'ai réduit la taille de la page. Non. Oh, là oui. Hop. Attendez. Tous les pixels. Bref, tous les pixels. Là, c'est exceptionnel. Voilà. Là il faudrait que je souffle mais je peux pas. Je souffle. Ils auraient pas pu faire un truc plus pratique. Configuration outil, bah je sais pas moi. Configuration, chargement, non, pause, méthode d'affichage, m'en fous. Paramètres de microphone, il capte pas. Bon, vous savez quoi? Vu que je vais galérer, je vais couper pour YouTube. Ça va être très court, du coup, ça va être 1h30. Mes excuses. Mais faut que je trouve cette solution, je vais faire ça à côté, là. Avec Twitch, je vais chercher, parce que là, c'est compliqué. Je vais pas rester bloqué pendant 1000 ans. Donc bon, petite coupure imprévue. Mais ouais, vous inquiétez pas, ça arrive. Un prochain épisode, on y croit. À tout. Rebonjour YouTube, vous avez rien vu,
Grâce à une coupure magique, nous avons trouvé une solution. Incroyable. Regardez ça. On appuie et je souffle. Ah. Je souffle. Merci. Voilà, donc c'est fini. Il n'y aura plus de ce problème. Commissariat au funérailles des enchantillons. T'as bien, elle l'appartient. Je voulais pas couper comme ça parce que ça aurait été con. Parce que je pense que je suis à la fin du. De la partie enquête. Et du coup, ce serait con de laisser 30 minutes. Genre 20 à 30 minutes d'enquête pour rien. Enfin, du coup, je vais assembler. Je vais faire du montage. Je vais assembler logiquement. Ça sera bon. Hop. Ça n'a pas l'air aussi marrant que le relevé d'empreintes. Ok. Maintenant, choisissez à qui vous pensez que ces empreintes appartiennent. C'est probablement de l'identité du propriétaire de ce couteau. Qui t'a qui, lui, là? Bon, c'est ça. Les empreintes sont donc bien celles de l'accusé. Ah oui, c'est remarquable, non? Ah, le pouvoir de la science, c'est toute ma vie. Apollo, regarde, elle brille. Moi, je suis en train de m'éteindre. Allez, relevez-moi ces mentons. La vraie bataille n'a pas encore commencé. Allez, fais ce que dit la dame Polo. Le procès n'a même pas encore commencé, que je suis déjà en train de perdre. Je dois ajouter au dossier avec, en plus, les empreintes. Vous avez rencontré la cuisine? Ah, non. Ah, c'est presque la fin des visites au centre de détention. Si j'étais vous, j'oublierais les lieux du crime et j'irais tout droit là-bas. Bonne idée. J'ai mentionné que je le sentais pas là. Ne t'inquiète pas, hein. C'est une sorte de tradition chez les White. Il y a des traditions dont je me passerai bien. On va se déplacer. C'est bon l'écran, ça a pas trop décalé. Non, c'est bon. Se déplacer. Bah du coup cette fois-ci centre de détention. Let's go. Agence. Et là. Centre de détention. 15 juin, centre de détention. Parloir. Le père du suspect, Ken Groguin, qui t'a qui lui-même. Et voilà. Ah oui, d'accord. Oh, ce gars respire la puissance et l'autorité, avec un magnifique tablier renard. Quand est-ce que l'autorité porte un tablier? C'est l'avocat de Willy. Ouais, monsieur. Moi c'est Groguin Kitaki, quatrième chef de la famille Kitaki Capis. Capice. Ah non, c'est Capice. Pourquoi ils lui ont fait un accent italien alors qu'il a. C'est une famille japonaise. Y'a rien qui va. En vrai, c'est pour m'entraîner avec votre fils que je suis venu. De justice. Oui. Bon, mon fils est innocent. Il a tué personne. S'il était déclaré coupable, ça serait pas bon. Pas bon du tout. Capice. Ah oui, je capisse 5 sur 5, je pourrais pas mieux diplomatiser. Comprendre ne suffira pas. Vous allez apprendre ce que je veux dire. Même si la leçon n'arrive qu'à la fin de votre courte vie. Je crois que je vais me sentir mal. Oh mon dieu, au secours. Aller en tol, je me plais bien ici. La dette Woolly. Ah bon gars, comme d'habitude. Pardonnez-moi si j'ai quelques doutes. Bon. Bah on va devoir défendre ça, hein.
beaucoup progressé, je crois. On a même retrouvé ma culotte et je me suis drôlement bien amusé. Évidemment, le grand mystère reste entier. Comment est-ce que je vais pouvoir défendre cette affaire demain? Oh, mais j'ai failli oublier, c'est l'heure de mon spectacle. Ce soir, je me produis au Wonder Bar. Pourquoi tu viendrais pas me voir? Ah, vraiment? Bon, bah, 5 minutes de VOD à rajouter en montage, mais quel plaisir! Quel plaisir! Voilà. Bah, du coup, ça aurait fait une VOD quand même courte. Et voilà, on n'inventera pas plus pour YouTube et même pour Twitch. Je pense que je vais arrêter parce que je vais pas y aller là. Mais oui, voilà. Cette fois-ci, c'est la vraie fin YouTube. Au revoir YouTube.